Wesh les bladers, c'est Val. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous parle de toupie. Je vais vous parler seulement de toupie, comme certaines vidéos je fais. Sauf que la dernière fois, pas la dernière fois, mais il y a une autre fois, je vous ai parlé des bases du Beyblade. Les bases, je vous en ai parlé, je vous ai dit d'ailleurs dans cette vidéo que je vous ferai une vidéo sur les types de toupies. En quoi consistent les types et je vais tout vous dire sur les types. Et bien là voilà, cette fameuse vidéo, elle est juste là devant vous. C'est ça. On va voir les types ensemble aujourd'hui. Donc, vous voyez comment elles sont placées, mes toupies. Elles sont placées dans un ordre spécifique. Dans une position spécifique. Donc, vous voyez, ça forme une sorte de triangle. Eh bien, ce triangle, c'est ce qu'on appelle le triangle des types. Vous voyez, Beyblade, c'est un peu comme Pokémon. Il y a des types, et chaque type a son avantage et son désavantage. Vous savez, comme le type dans Pokémon, le type plante. Le type plante. Le type feu, par exemple, dans Pokémon. Le type feu est vulnérable face au type eau, mais il est fort face au type plante. C'est exactement la même chose pour le Beyblade. Sauf que les types sont différents un peu. Au Beyblade, ici, ce sont attaque, endurance, défense et équilibre. Donc, pourquoi elles sont placées dans cet ordre? Parce que le triangle commence d'en haut, du type attaque. Donc, vous utilisez une type attaque. Quand vous utilisez une type attaque, vous avez l'avantage sur le type endurance. Qui, elles, les types endurance ont l'avantage sur les types défense. Qui, elles, ont l'avantage sur les types attaque. Et ça recommence. Et le type équilibre, ici, en quoi est le rapport? Le lien avec le type équilibre, pourquoi il est dans le milieu et que je vous en ai pas parlé? Parce que le type équilibre, c'est des toupies qui regroupent tous ces trois types pour former un type, qui est le type équilibre. On va voir ça plus en détail tout à l'heure. Donc c'est parti, commençons par le type attaque. Comment on sait qu'une toupie, de quel type est une toupie? Par exemple, Valtriac ici, une type attaque. Genesis Valtriac est une type attaque. Pourquoi? Comment on sait que c'est une type attaque? Parce que, tout simplement, c'est lame. Vous voyez, ces lames, elles ne forment pas un rond. Elles ont comme des reliefs, des gros reliefs. D'importants reliefs, carrément. Et puis, ces lames pointues vont lui permettre de frapper plus fort. Les types attaques, en fait, ce sont des toupies qui vont attaquer plus, qui vont cogner fort l'autre, soit pour l'éjecter ou pour la burster. Donc, les types attaques sont faites pour ça. D'ailleurs, Valtriac avec sa pointe Reboot lui permet une attaque surprise même. Vous voyez, quand elle est à pleine vitesse, la pointe est sortie. Mais quand la vitesse diminue, bam, elle devient plate. La pointe devient aplatie. Mais c'est justement ça. Plus la pointe, lorsqu'une pointe de toupie est aplatie, il y a de bonnes chances qu'elle soit de type attaque. Parce que les pointes aplaties permettent un mouvement plus rapide. Et elles permettent de bouger beaucoup plus qu'une toupie qui a une pointe, par exemple, arrondie. Elle ne bougera pas beaucoup, elle va rester au centre, c'est tout. Les types attaques, il faut jamais qu'elles restent au centre parce qu'elles n'ont pas beaucoup d'endurance. Et justement, le fait qu'elles n'ont pas beaucoup d'endurance, c'est dû au fait que leur pointe est aplatie. Un autre point, c'est leur aérodynamisme.
L'aérodynamisme des toupies de ce type est très élevé. Pourquoi? Tout simplement pour faire circuler l'air encore plus. Pour que l'air circule plus autour de la toupie, donc pour qu'elle ait aucune résistance à l'air. La toupie en ayant aucune résistance à l'air, elle va aller beaucoup plus vite. Et c'est pour ça que plus la toupie est aérodynamique, plus elle va bouger vite. Une autre attribut des types attaques. Parfois, certaines toupies de type attaque, comme celle-ci, auront parfois une pointe faite différemment d'une autre matière. Comme par exemple, cette pointe-ci est faite en métal. Cette pointe-là est faite en métal justement pour diminuer la friction. Donc, moins il y aura de friction dans le stadium, moins la toupie. Ben, moins il y a de friction, plus la toupie peut bouger. Parce que si la toupie est faite en caoutchouc, vous savez, le caoutchouc est antidérapant. Donc, on utilise souvent le caoutchouc pour empêcher les trucs de bouger, de se déplacer à longueur de journée. Ben, les pointes en caoutchouc, par exemple, augmentent la friction. Donc, justement, elle ne pourra pas bouger, elle va comme rester coincée comme si c'était un antidérapant. Ça, c'est pas bon pour la santé pour une type attaque. Une pointe en caoutchouc aplatie, ça c'est très bon. C'est bon, mais c'est très dur à maîtriser. Comme Victor Valtriek, c'est très bon comme pointe, mais assez dur à maîtriser lorsqu'elle est éveillée et aplatie. Donc, Surgiscarius est une très très bonne toupie de type attaque. En plus, elles ont leur métal. Elle a du métal dessus, ce qui augmente son poids. Elle est vachement lourde. Elle est vachement lourde, cette toupie. Elle a l'air de rien, mais très très lourde. Donc, pour le type attaque, ça devrait ressembler à ça. En fait, c'est ça. Ces vidéos, on va les séparer. Les types, on va les séparer en plusieurs vidéos. Donc, on a parlé tantôt aujourd'hui des types attaque. Et on a parlé aussi du triangle des types. La prochaine fois, on va parler des types endurance. Après des types défense et après des types équilibre. Juste pour vous le dire. Ensuite, parfois, il y a une nouvelle toupie. Vous savez, Surgiscarius, ben, elle a maintenant une évolution qui est encore plus faite pour être une type attaque. Je vais vous la montrer maintenant. Vraiment désolé les photos. Hein. Bon, ok. Ah là là. Bon. Oui, la nouvelle évolution de Excalius, donc Buster Excalius. Si vous me croyez pas, alors là, si vous me croyez pas que son nom c'est Buster Excalius, franchement, vous connaissez pas le Beyblade. La plupart, non mais pas la plupart, mais il y a quelqu'un, je connais quelqu'un qui prétend, je vous en parle souvent de ce mec-là parce que je veux pas que vous fassiez comme lui avec vos amis, hein. Parce que je connais un mec qui dit, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison, son nom c'est Breaker Excalius. C'est peut-être vrai, mais son nom, son vrai de vrai nom, le nom officiel de cette toupie, c'est Buster Excalius, et non Breaker Excalius. Parce que le mec dont je vous parle, il se prend pour le meilleur. Il pense qu'il est le meilleur. Il pense vraiment que moi, je connais pas ça, et que lui, il connaît
tout mieux que moi. Et ça, faites jamais ça à vos amis. Je vous jure, c'est pas cool. J'ai vécu beaucoup de situations dans ce genre. Et c'est pas cool. Bon, bref. Cette Excalius est spéciale. Cette Buster Excalius, ok. Parce que quand on connaît pas une toupie, on peut pas dire son nom. On peut pas prédire son nom. On peut pas dire qu'on la connaît plus qu'une autre personne. Donc on la connaît même pas. Bon, Excalius, elle est spéciale parce que regardez son épée. Poup, 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 poup. Bon, assez niaisé. Son épée, elle peut donner un coup par en avant. Donc lorsqu'elle est comme ça, c'est le mode Buster. Comme ça, c'est le mode Buster. Je pourrais la bloquer là, mais non, je vais pas le faire. Le mode Buster, ça fait que vu que son épée est plus par en avant, ça lui procure un déséquilibre. Donc si elle est déséquilibrée, elle va faire des mouvements comme ça. Elle fait des mouvements comme ça. Donc, ces mouvements-là, ce sont des mouvements qui vont permettre de frapper plus fort. Pam, pam, pam. Comme ça. Je vais te poignarder, mon gars, avec ça. Bon. En tout cas, ce sera tout pour l'instant. Et parfois, même cette toupie, ce qui est assez spécial, c'est qu'elle saute. Je la lance des fois et elle saute comme ça. On dirait une salamandre, quoi. On dirait salamandeur. Bon. En tout cas, là, c'est fini pour de vrai. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous a plu, likez. Si ça vous a appris quelque chose, j'espère que ça vous a appris quelque chose, en tout cas. Dites-le moi dans les commentaires si je vous ai appris de quoi. Je serais vraiment touché de savoir que je vous enseigne le Beyblade comme il faut. Et puis, si vous aimez Valtryek, si vous aimez le Beyblade Valtryek et tout ça, si vous croyez au Beyblade, abonnez-vous à cette chaîne et partagez cette vidéo pour qu'on ait encore plus de Bladers avec nous. Parce que plus qu'on a de Bladers, plus qu'on est une famille puissante, plus qu'on est puissant. Alors, sur ce, je vous laisse et on se retrouve la prochaine fois pour les types Endurance.